mauvais studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi, je sais pas utiliser un masque. Michel Tuttle et Franck Maddy. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Series confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Franck Maddy, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi, je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 9 déjà, et nous sommes le 26 mars. Alors aujourd'hui, Maître Gims, numéro 1 dans les 10 minutes du peuple, le groupe Facebook qui fait du bien. Ouais, je sais Franck, tu voulais pas que je reparle, mais moi je vais tenir sur ce groupe Facebook à la con. Ingrid Chauvin nous incite à rester confinés dans nos petits 15 mètres carrés en direct de son grand jardin. Oui, grand jardin, j'ai vu des cascades et une grande roue derrière, donc... J'aime bien ce genre de petits... C'est même pas des conseils, c'est à rester chez vous, quoi, tu vois. Alors qu'elle, merci, elle est Ingrid. Tranquille. Manu Valls, toujours aussi réactif dès que... Toujours vivant, ouais, pas encore mort. Mais t'as pas remarqué qu'à chaque fois que Emmanuel Macron fait un discours, Manu, il fait un beau truc derrière du genre oh, « Quel beau discours, la France avait besoin de ça, c'est magnifique. » Là, il est vraiment en train de se replacer. Et donc, je vais enchaîner plus sérieusement ou plus tristement. J'ai envie de dire avec un homme qui est décédé cette semaine après avoir avalé du nettoyant pour aquarium qui contenait de la chloroquine. Sa conjointe a fait pareil, a été hospitalisée, mais heureusement, elle a survécu. Donc tu vois, ces histoires de chloroquine, il y en a qui le prennent vraiment au premier degré. Et dès qu'ils voient le mot chloroquine sur un emballage, ils font « Allez, c'est bon, c'est mangeable ». Écoutez, je pense qu'il y a du tri à faire en ce moment, donc merci à eux de prendre cette initiative de faire ces choses-là chez eux. Voilà. Et moi, je préfère finalement des gens qui crèvent bêtement, mais qui n'impliquent personne, que des gens qui bêtement mettent les autres en danger en faisant « Arrête, bas les couilles !» Donc à partir de demain, vendredi 26 mars, et désolé pour le décalage, des jours pour ceux qui nous écoutent, sur le réseau Rennais, une mise à jour des horaires des lignes de bus suivantes sera faite. Alors soyez attentifs si vous prenez la... Franck, tu m'écoutes ou quoi? Ouais. Ok, super. Donc si vous prenez la ligne C1, C2, C3, C4, C5, C6, 9, 11, 12, 50, 77, 552, 29, 36, 06, 32 et bien entendu 25. Faites attention, il y a des mises à jour qui seront faites sur le site de votre transporteur. Vous trouverez bien entendu plus de précisions dans la description du podcast. Ok, merci Michel. Muriel Pénicaud. Ah non, moi j'ai toujours rien sur elle. Bizarrement, on a remarqué aussi que sur les plateformes de streaming, donc Spotify et compagnie, les plateformes ont enregistré une baisse de leur fréquentation. Ce qui est assez bizarre du fait du confinement. Ouais. Moi je sais que j'écoute de la musique tous les jours et toute la journée sur Spotify, donc par exemple, hein, pour pas faire de marque, pas faire de publicité. Donc c'est vrai que c'est assez curieux. Moi je pense que j'ai un début d'explication. Mais c'est très sérieux pour le coup. Je pense que les gens une partie des utilisateurs de Spotify habituels sont des petits cons. Des petits adolescents, des gens qui s'isolent et qui écoutent leur musique dans leur coin, qui parlent pas à papa, qui parlent pas à maman, qui par contre bien mangent dans l'assiette, hein. Ça y a pas de problème. Oh là là. Et voilà. Et je pense que ces gens-là, ils ont dû un peu plus échanger, communiquer avec papa et maman. Peut-être aussi que papa et maman ont eu vent de l'offre famille qui était faite par la fameuse plateforme. Et qui les ont contraints du coup à partager ensemble leur musique. C'est tout à fait possible. Maman a décidé qu'on passe du Michel Sardou, et ben on va passer du Michel Sardou. Et ça, avec l'appli Famille, tu peux passer Michel dans la salle de bain pendant que papa prend son bain, dans la chambre du petit pendant que le petit fait dodo, dans la chambre de la gamine pendant qu'elle essaie d'écouter sa musique. Sauf que il y a un réglage pour mettre toujours beaucoup plus fort la musique de la famille que celle que la gamine pourrait éventuellement écouter sur son truc perso. Tu veux dire qu'en fait la meuf elle est en train d'écouter du Aya Nakamura, elle est tranquille et tout dans sa chambre, et en fait t'as Michel Sardou qui vient bouffer Aya Nakamura. Exactement. Donc là t'entends et ça t'entends plus fort la musique de Michel Sardou que Aya Nakamura. Genre ça fait On peut faire un test en direct. Moi je fais Aya Nakamura et tu fais Michel Sardou qui vient bouffer Aya Nakamura. Ce qui est improbable physiquement en tout cas. Miam 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 miam.
Ça marche. Il la bouffe en deux secondes. Alors, sinon, les Mexicains. Alors là, c'est inversion des rôles. Les Mexicains protestent à la frontière avec les États-Unis pour demander un contrôle plus strict des Américains fuyant l'épidémie vers le Mexique. Donc ils craignent une contagion dans une zone qui est encore relativement épargnée par le coronavirus. Alors Michel, c'est la fin de cet épisode 9. Tout à fait. J'ai envie de lancer une conclusion. Et pour cette conclusion, j'aimerais bien un petit jingle que je vais faire à la main d'un bouchon de liège, d'une bouteille en verre et d'un tire-bouchon. On est sur quelle c'est une bouteille de vin rouge, blanc, qu'est-ce que c'est? Blanc. Ok, ça fait pas c'est le même bruit. Vionnier. C'est parti. 23 ans. Oh merde! Oh, tu l'as cassé en deux! J'ai entendu au son que tu l'as cassé en deux. Donc t'as la moitié de ton bouchon qui est dans la bouteille. Oh, quelle horreur! Je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver. Ouais, mais des fois c'est vraiment tragique. Est-ce que c'est rattrapable? Oh là là. Ouais, des fois c'est vraiment tragique parce que t'as des petits bouts de liège qui partent, qui tombent dans ta bouteille et tout. Oh, quelle horreur! Effectivement, j'ai fait l'erreur. Oh là là. Je me suis emballé. J'ai pensé que j'avais bien enfoncé mon tire-bouchon et en fait pas assez. Oh là là, on va arrêter l'émission là, c'est grave. Tu veux qu'on coupe direct? Non. Oh, je suis désolé. Non, oh là là. Ils s'en remettront. Oh. Allez, attends, je crois que j'ai réussi. On va. Ah, attention, 23h55. On fera un gros plan. 26 mars. Ouais, je pense que j'y suis. On écoute. Ouais! Ah, il était beau! Ah, il était joli celui-ci. On a eu beaucoup de frayeurs. Beaucoup de peur. Et finalement. Oh là là, une fin d'émission qui s'est terminée un petit peu dans la peur, dans le. Ouais. Ah, j'avais une boule au ventre là, honnêtement là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la fin du confinement se passe comme ça en France. Ouais. Tu sais que ça fasse. Et hop, tout le monde part comme des petits bulles, des trucs qui partent d'un coup. Voilà, une petite frayeur et un gros pop. C'est beau. Tu nous as offert un moment de grâce, là, en fait. Tu sais, c'est un peu comme si t'étais passé près de la mort, tu vois. Et en fait, la vie t'offre une seconde chance. Et c'est un petit peu ça qu'on vient de vivre, en fait. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est exactement ce qu'on vient de vivre. On est passé près de la mort. Le bouchon en liège s'est coupé en deux dans la bouteille. Et il a remis le tire-bouchon. Et pop. Sans casser la moitié de bouchon. Et d'ailleurs, ça a fait le même pop, même peut-être un meilleur pop, peut-être. Ouais, même j'ai l'impression. Que si le bouchon avait été entier. Parce que si le bouchon avait été entier, ça aurait fait un pop un petit peu arrogant en mode je suis le bouchon, je te fais un pop normal, du premier c'est mon taf, coup, quoi. Alors que là, on avait une moitié, voire même deux tiers, enfin un tiers plutôt qui restait d'ailleurs, ouais, de bouchon, et qui avait plus que ça à donner, quoi. C'était son dernier souffle de vie. Après, il finissait la poubelle, le tiers de bouchon. Et là, il a envoyé un pop. Ce virage, ce passage près de la mort qu'on a juste évité. Le mec en deltaplane qui passe tout près d'un rocher, mais qui l'évite. Et c'est exactement ce que j'ai en tête là pour finir cette édition. On va se dire au revoir avec un peu d'émotion, mon petit Francky. Au revoir, Michel. Putain, merci pour ce moment. Bonne nuit, Michel, et merci pour ce moment. Ciao. Bisous, les confinés.